Seigneur Jésus, je viendrai vers vous pour votre surnaturel. Bénédiction, laissez vos bénédictions éclipser ma vie. Donne-moi la force de surmonter tout obstacle, Seigneur, allège ma charge et porte-la, mon fardeau. Je prie, Seigneur, pour que tu me fasses voir la récompense du méchant qui veut des malédictions pour ma vie. Le commandant Angelo doit prendre en charge leur position autour de moi. Laissez-les venir avec des mots d'amour et confort, force et puissance. Bénis-moi, Seigneur, avec de vraies personnes qui le feront. Aime-moi et soutiens-moi. Des gens qui me soutiendront et m'aideront. Bénis-moi avec une abondance d'amour et laissez-le circuler dans ma maison. Laisse-moi me lever chaque matin avec joie et retirez-vous la nuit à Victory pour le reste de ma vie. Je réprimande toute trace de manque dans ma vie. Laisse-moi courir, Seigneur, et ne pas me lasser. Bénis-moi avec de la force et non de la faiblesse. Laissez-moi être comme l'arbre planté par la rivière d'eau vive. Bénis-moi, Seigneur, avec le succès et tout ça. Est à moi que ceux qui cherchaient ma disparition. Vois-moi me lever au nom de Jésus. Je déclare que je me tiendrai debout et non résister. Revêtez toute l'armure de Dieu. Je prie, Père, que je ne tomberai pas aux mains des appareils de l'ennemi. Je déclare que mes pas sont ordonnés par. Je décrète que mes jours à venir seront loin. Mieux depuis les jours derrière moi en Jésus. Non. Ta parole dans Proverbe chapitre 10 verset 7. Dis ça. La mémoire des justes est un. Bénédiction, mais le nom de la méchante laine pour rire. Je prie, Seigneur, que tu détruises tout méchant gars qui ne veut pas voir. Je suis béni et prospère au nom de Jésus. Bienheureux est l'homme qui se réfugie dans Dieu. Alors bénis-moi, Seigneur, alors que je te considère comme mon refuge et forteresse. Ta parole dit, Seigneur, que vous ouvrez la main et satisfiez le désir de tout être vivant. Je déclare que mes besoins sont satisfaits dans le nom de Jésus. Je reçois les bénédictions du plus haut Dieu. Il est écrit dans le verset du chapitre du psaume. Bienheureux est celui dont le secours est le Dieu de Jacob, dont l'espérance est dans le Seigneur notre Dieu. Je suis une bénédiction parce que mon aide vient du Seigneur créateur du ciel et terre. Dieu, je m'en tiens à ta parole aujourd'hui et j'invoque votre pouvoir surnaturel pour performer des miracles dans ma vie. Laisse ton pouvoir circuler librement dans ma vie et faire des changements dans mon cœur. Laisse ton pouvoir me montrer quoi faire autre pour recevoir mes miracles. Accorde-moi un discernement surnaturel pour que je sache quand les mots et les actions qui me sont adressées sont véritablement valorisées. Laissez votre pouvoir surnaturel diriger, que je sache qui je suis. Laisse ton pouvoir et tes miracles qui abondent dans ma vie apportent une abondance de gloire et attention à toi. Laissez votre pouvoir surnaturel apporter correction de chaque faiblesse de ma vie. Je reçois la force de ta puissance et pourrai. Puissance du Dieu le plus haut, remplis-moi de ton onction et de ta cause, l'ennemi de ne plus avoir accès ma vie, détruire tout ce qui gêne. Des miracles se sont produits dans ma vie. Père Seigneur, laisse ta puissance venir sur moi et enlève toute infirmité ou douleur dans mon corps. Merci Seigneur pour la puissance de ton Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, pour que ton pouvoir surnaturel m'aidera à désirer sincèrement et poursuivre mes dons spirituels avec passion. Multiplier tout dans ma vie et déracine tout mal. ND Chroniques chapitre 20 verset 6 dit. Et Josaphat se tenait dans l'assemblée de Juda et Jérusalem, dans la maison du Seigneur avant le nouveau jour et dit, ô Seigneur Dieu de nos pères, n'es-tu pas au paradis? Tu règnes sur tous les royaumes des nations. Entre tes mains se trouve le pouvoir et il se pourrait qu'il en soit ainsi, que personne n'est capable de résister. En effet, Seigneur, tout pouvoir est pourrait t'appartenir.
remplis-moi de ton pouvoir car je n'en ai pas. Mon propre pouvoir. Je me présente à toi ce que tu feras. Avec moi comme tu veux. Restaure-moi pour compléter la santé en Christ. Jésus. Je prie pour le salut de ma famille. Et la maison pour toujours. Entends le cri de mon cœur et réponds quand j'appelle Père Seigneur. Provoque la rupture de ton pouvoir surnaturel. Chaque chaîne maléfique des méchants concernant ma vie. Remplis ma vie de bonté et laisse-la. Débordement. Psaume 71, verset 18 dit Seigneur que maintenant, que je suis vieux et gris, ne m'abandonne pas. Ô mon Dieu, laisse-moi proclamer ton pouvoir sur ce nouveau génération et vos puissants miracles. Tous ceux qui viennent après moi, accorde-moi longue vie, afin que je puisse répandre tes merveilles, les œuvres puissantes de tes mains, ô génération à venir. Merci Seigneur pour ton surnaturel, le pouvoir qui est à l'œuvre dans ma vie. 11.2.11 Les anges disent votre image publique. Message des anges, Dieu fait des miracles aujourd'hui.